lui, mais c'est à lui de faire le choix. Et nous avons dit que nous n'allons pas non plus favoriser une quelconque transition qui appellerait la modification de la Constitution. Nous avons dit que nous n'allons pas accepter la révision constitutionnelle et que s'il faut faire cette révision constitutionnelle, il faudra marcher sur les cadavres des Congolais. Nous avons dit que nous n'allons pas non plus accepter que les dialogues que nous, nous voulons soient un dialogue monnayé par les politiciens, c'est-à-dire au pays de Pertien. C'est une honte qu'on puisse payer autant d'argent aux Congolais qui doivent parler pour l'avenir de leur peuple pendant que le peuple lui-même est dans la misère. Et nous ne sommes pas limités seulement à